Je voudrais terminer par cette jolie histoire de fou. Ça a été pendant des années et des années une mode, hein, les histoires de fou. Et moi, je trouve que c'est les plus jolies parce que c'est souvent des histoires très surréalistes, voilà. et très poétiques à la fois. Vous êtes d'accord, Jean-Pierre Martin ? Oui, oui. Et un fou qui joue avec une boîte d'allumettes, par exemple. Il essaie d'allumer une allumette, puis ah, elle ne marche pas. Alors, il essaye avec une autre allumette qu'il prend toujours dans sa petite boîte. Elle marche toujours pas. Ah, il n'y arrive pas. Il prend une troisième allumette. Ah, elle craque. Elle marche toujours pas. Toujours pas bonne. Enfin, il tombe sur une allumette. Paf, qui s'allume. Et là, il souffle tout de suite sur l'allumette. Il fait « Je ne suis pas fou. Celle-là, elle marche. Je la garde. » Voilà une belle histoire de fou. Ah, j'ai pas eu le temps avec Monsieur Martin de vous raconter d'autres histoires de fous. Et moi, j'adore. Vous en avez, vous, Monsieur Perroni, des histoires de fous? Je vous laisse réfléchir. Ouais, si j'en ai une pendant ce temps-là. Il y a deux fous qui sont dans leur asile mental. Et un jour, il y en a un qui plonge dans la piscine et il sait pas nager. Il tombe à l'eau, il coule à pic. Heureusement, un des deux autres fous qui étaient là saute à l'eau. Il va le chercher, il le sauve, il le ramène à la surface. Alors, le directeur, il dit bah, là, vraiment, bravo pour cet acte héroïque. Vous avez sauvé votre camarade. Ça prouve que vous n'êtes pas si fou que ça. Vous savez ce qu'on va faire? Vraiment, on va vous libérer et vous allez pouvoir sortir. Bon, d'ailleurs, autant vous dire, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on vous libère, mais la mauvaise, c'est que ce camarade que vous avez sauvé de la piscine, hélas, depuis, on l'a retrouvé pendu dans sa chambre. Et l'autre fou dit « Ah non, c'est moi qui l'ai mis à sécher après la piscine ». J'en ai retrouvé une. C'est à l'asile. Il le fou. Il va à toi dans le derrière. Il a toujours en laisse avec lui une brosse à dents. Et le directeur le convoque et dit alors, ça va pas mieux. Il fait comment ça va pas mieux? Mais avec votre brosse à dents en laisse. Ben oui, je sais bien, c'est une brosse à dents. Elle est en. Je lui ai mis une laisse, mais. « Ah, vous vous rendez compte, enfin, que c'est une brosse à dents ?»« Mais bien sûr. Bon, on va vous libérer dès demain. » Le gars sort, et puis il regarde la brosse à dents, il fait « On l'a bien eu, hein, Milou ?» Ah, il y a deux fous qui marchent comme ça aussi. Puis il y en a un qui... Il y a un des deux fous, il ramasse une crotte, une merde qui est sur le trottoir. Il dit, il montre la merde à l'autre, il dit « Regarde dans quoi j'allais marcher ouais, ». Ah, vous n'aimez pas, je sens, les histoires de fous, Ariel? Non, cette dernière, non, les autres, beaucoup. Ah, bon, vous elle n'aime pas la merde, Ariel. Voilà. Il y a deux fous qui sont là, oui. Qui dialoguent. « Qu'est-ce que t'es en train de faire ?» Bah, j'écris une lettre, mais à qui? À moi? Bah, alors, qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas, je l'ai pas reçu encore. Non, mais c'est ça qui est génial. Oui. Elles sont surréalistes, les histoires de fous. Il y a un fou qui rigole. Il est mort de rire. Bien, hein. Il rigole tout seul. Alors, il y a un autre fou qui vient le voir. Qui fait, mais pourquoi tu ris comme ça? Et bien, je me suis raconté une blague que je connaissais pas. Il y en avait une que racontait le clip dans ses bandes dessinées régulièrement. C'est le fou qui repeint son plafond et l'autre y passe. Il fait, tiens, toi au pinceau, je retire l'échelle. Il y a deux fous qui discutent aussi. Il y en a un qui dit, j'aurais dû écouter ma mère quand j'étais jeune. Et l'autre dit, ah bon, mais elle disait quoi? Ben, je sais pas, puisque j'écoutais pas. Il y a un chien qui court après un fou autour d'un arbre. Vous la connaissez, celle-là? Mais j'aime bien les débuts comme ça. Ouais. C'est un chien qui court après un fou autour d'un arbre. Il y a un infirmier qui voit ça, qui essaie d'intervenir, qui lui dit, mais le chien va vous rattraper. Et puis le fou dit, non, j'ai deux tours d'avance. Oh, c'est mignon. Ah, puis il y en a une qui va vous plaire, monsieur Perroni, parce que c'est quelqu'un qui tombe de son lit, ça a dû vous arriver plus d'une fois. C'est un fou qui dort dans son lit, puis il tombe. Il se relève, il se remet dans le lit et il retombe. Et là, il se dit, ouf, heureusement que la première fois, je me suis relevé, sinon je me serais tombé dessus. Oh là là là.